L'Afrique du Sud dépasse les 500 cas de COVID-19 in 24 hours. L'Afrique du Sud pays déjà le plus touché du continent africain, voice a situation empire de jour en jour. Le cap des 500 nouveaux cas en 24 heures a state désormais dépasse avec encore un voice plus de 100 décès. La progression régulière en quiet fortement pour les jours et semaines à venir. L'Afrique du Sud s'est préparé rentrer dans le jour pour les jours à venir. La croissance du nombre de cas de personnes infectées par le COVID-19 continue de progresser de façon régulière et le nombre de décès, qui ont été déjà à plus d'un centaine quotidiennement, devrait donc faire de même dans les prochains jours. Si le nombre de personnes infectées est le nombre important de tests réalisés quotidiennement, entre 25,000 et 30,000, il n'en reste pas moins que le ratio de personnes positives de 15 à 20% est extrêmement élevé. L'Afrique du Sud atteint son pic épidémique seulement dans un mois et va donc devoir affronter un période particulièrement difficile avec en plus une récession économique sans précédent qui frappe le pays et un manque de personnel médical, plus de 3,500 soignants ont déjà contracté la maladie. Ce sera la pire contraction économique depuis 80 ans et annonce le ministre des Finances Tito Mboweni lors de la présentation du projet de loi de finances rectificative alors que la récession atteint du pas dépasser les 7%.